Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous avons enfin la date de sortie officielle du raid La Fureur Mécanique en version hardcore. Il s'agit donc du mardi 18 octobre à 19h. Alors nous avons également quelques infos. On sait qu'il faudra être niveau 385 de lumière minimum pour espérer vous défendre dans ce raid. Et l'on sait également que vous pourrez atteindre grâce à ce raid le niveau 400 de lumière. Nous n'avons en revanche pas d'informations au sujet des changements de mécanismes, des combats, de boss ou de structures puisqu'ils ne sont pas abordés dans la This Week at Bungie de cette semaine, source de cette information. Nous n'avons également absolument aucune information concernant la disponibilité immédiate des challenges de raid. On ne sait donc pas s'ils seront disponibles dès la sortie du raid ou plus tard, il faudra donc patienter pour en avoir la confirmation. Et enfin, pour terminer, revenons au loot que j'avais déjà présenté dans la vidéo « La table des loots » du raid La Fureur Mécanique. Nous savons donc qu'il nous manquait des armes et les voici, elles seront disponibles avec le raid hardcore. Il s'agit du sniper Ex Machina et du pistolet Vecteur de Zèle qui seront disponibles sur le boss Vosik, de la sulfateuse Matière Hypothétique qui sera disponible après le gros robot Dupont, du revolver Fièvre et Remède et de l'impulsion Nerf d'Acier qui seront eux disponibles sur le boss final, et enfin du fameux vaisseau, le Nano Phoenix. J'espère que ces infos vous ont plu, j'imagine que vous êtes tout comme moi très impatients de voir toutes ces nouveautés qui nous attendent. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !